place, hein. Je te supplie, mon petit Tony. Tu es l'élève, nom de Dieu. Debout. Tony, merde, non, ne me tue pas, je t'en supplie. Je vais pas te tuer. Oh, mon Dieu, merci. Debout, dis pas merci. Merci. Manolo, oui. Tue cette merde gluante. Non, non, non. Oh. Non, non, mais t'as vu? Non, t'as pas vu. Mais t'as vu ou pas ou t'as pas vu? Mais si t'as vu, moi je l'ai vu. D'autres l'ont vu. Et toi tu l'as pas vu? Mais c'est pas possible. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Mais oui, si tu l'as vu, tu l'as vu. C'est obligé que tu l'aies vu. Et non, on parle pas d'un alien, d'un extraterrestre, d'une rencontre du troisième type. On parle d'un certain YouTuber. Voilà. Et mais non, ne t'inquiète pas, ce certain YouTuber, si tu vois ma vidéo, t'inquiète pas. Je vais pas faire comme Tony Montana. Je vais pas te tuer. En tout cas, physiquement. Mais je te tuerai verbalement. Je vais te descendre verbalement, mon frère. T'as voulu nous provoquer, nous les YouTubers du PSG, soi-disant, qu'on aille se faire foutre et aller... Le club du Sud, là, hein? Je vais même pas dire le nom du club, parce que vous savez très bien de quel club je parle. Hein? Et allez vous faire foutre, parce qu'on, soi-disant, on t'a pas respecté. Mais tu te fous de la gueule de qui, mec? Tu sais ce que tu es, toi? Tu sais ce que tu es? Tu es ça. T'es de la merde dans sachet. Mais enfin, Tony, de quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je te parle, sale foireuse, sale punaise. Mais quoi, je comprends pas, enfin, écoute-moi un peu! Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hasard, Franck? C'est un porc. Eh oui. Tu es un porc. Un gros porc. Parce que, moi je te dis, avant d'allumer la mèche, il faut aussi avoir un seau d'eau à côté pour l'éteindre. Parce que là, il y a eu une poudrière, frère. Là, tu t'as fait tout exploser. Et en plus, t'as même pas de couilles parce que t'as déjà retiré ta vidéo. En fait, t'es un mec sans couilles. Hein? Eh, vous trouvez pas, en plus, que, franchement, hein, vous avez vu les photos, vous trouvez pas qu'il ressemble à Jean Lassalle? Enfin, bref. En tout cas, mec, ce YouTuber était supporter. Enfin, supporter, non, je peux pas dire qu'il est supporter. Je peux pas dire qu'il est supporter. Un fou échappé de l'asile. Hein? Un fou échappé de l'asile. Tu as supporté le FC Lausanne. Ou enfin, au club suisse. Après, tu as mis sur toi le maillot de Monaco et t'es devenu youtubeur de Monaco. En fait, t'as fait une concurrence à Tarek. Tarek, si tu nous écoutes. Enfin, bref. Après, comme tu voyais que ça buzzait pas, parce que faut pas croire, hein, tu es une pute à clic, une pute à buzz, tu veux que le buzz. Hein, tu cherches rien d'autre. Hein. Comme t'as vu que revêtir le maillot de Monaco, ça ne marchait pas, eh ben, tu as été, évidemment, revêtir le maillot du Paris Saint-Germain. Parce que tu voyais que le Paris Saint-Germain avait le vent en poupe, parce que les Qataris arrivaient. Alors, d'habitude, on critique souvent les supporters qui sont arrivés avec les Qataris, les Qataris, comme on les appelle, hein. Toi, tu es carrément ça. Tu vois. Un gamin qui est né en 2000, tu vois, qui est en 2011, quand les Qataris sont arrivés, qui a 11 ans, 12 ans après, tu vois. Bah lui, je peux pas l'appeler Qatarix parce que il est né qu'en 2000, tu vois. Mais les mecs comme toi qui ont plus de 50 balais, frère, hein, et qui changent de club comme d'autres changent de caleçon, bah excuse-moi, t'es pas crédible. De toute façon, je t'ai jamais considéré comme un supporter parisien. Je t'ai toujours considéré comme un baltringue. On a eu un petit accrochage tous les deux. Un jour, tu avais fait une vidéo où tu avais cité mon nom. Je savais même pas pourquoi. Une autre vidéo où tu fais des concours. Quel est le meilleur youtubeur du Paris Saint-Germain, ça c'est un des trucs qui se font pas parce que tu humilies certains youtubeurs qui ont moins d'abonnés, voilà. Et c'est pour ça que moi j'ai pas aimé, je suis venu te voir en privé et je t'ai gueulé dessus parce que
T'étais qu'une merde et tu resteras une merde. Voilà. Alors, après, évidemment, parce que monsieur les choses ne coulent pas comme lui voudrait que ça coule au Paris Saint-Germain, bah monsieur a enlevé le maillot du Paris Saint-Germain et a été chez notre pire ennemi, Marseille. Hein, maintenant, il remet le maillot de Marseille comme vous avez vu sur les photos. C'est du délire. C'est du délire, ce mec. C'est du délire. C'est même plus un footix. C'est en dessous du footix. C'est un rat d'égout. Dans un sens, t'as bien fait d'aller chez les rats parce que toi, toi-même, t'es un rat d'égout. Désolé, les Marseillais, c'est une petite punchline, mais c'est pas méchant. Voilà. Et j'espère, d'ailleurs, j'ai un petit message à passer aux Marseillais. J'espère, allumez-le, ce mec, parce que c'est pas un vrai supporter ni de Monaco, ni du PSG, ni de Marseille. Défoncez-le. Je demande à tous les youtubeurs marseillais de le défoncer parce que ce mec-là ne connaît pas l'histoire de Marseille, comme il ne connaissait pas l'histoire du Paris Saint-Germain et comme il ne connaissait pas l'histoire de Monaco. Et je sais même pas s'il connaissait l'histoire du FC Lausanne. C'est ce que je veux dire, hein? Voilà. Alors, défoncez-le parce que lui, il est convaincu que, parce que nous, on l'a défoncé parce qu'il n'était pas crédible dans ses vidéos. D'ailleurs, ses vidéos, ses débriefs qui puaient la merde. Le mec, il t'annonçait des joueurs et des trucs comme ça devant son ordi. Tu vois, il faisait des vidéos devant son ordi portable en disant, ouais, là, ils disent que un tel va arriver. Un tel va mettre des chaussures pointues, l'autre, il va mettre des bottines. Non, mais à un moment ou à l'autre, quoi. Elle est où ta crédibilité là-dessus, frère? En fait, tu reliais des fake news. Moi aussi, je peux le faire, ça. Mais elle est où ta crédibilité comme youtubeur? Comme influenceur, tu t'es pris pour un influenceur. Mais sois influenceur de ton slip, mec. Sans déconner. Et puis là, tu montes une chaîne, tira l'OM, tiramisu, shimotsu, hein. Voilà, mais c'est bon, quoi. Bientôt, tu vas nous faire un reportage au Japon, en parlant japonais et en disant que tu es supporter d'un club japonais, frère. Hein. Après, tu vas mettre une chaîne YouTube, c'est Suguzui, Suguzui, Tuguzui. Hein? Et tu vas nous sortir des débriefs en japonais. Non, mais bon, après, moi, je te dis franchement, t'es un bouffon, tu resteras un bouffon. Moi, je t'ai jamais apprécié, de toute façon, je t'ai jamais aimé. Il paraît aussi que tu es humoriste. Alors, j'ai vu quelques vidéos de toi comme humoriste. Franchement, je vais pas être méchant. Hein. Tu serais bon, je te l'aurais dit. Mais t'es bidon, mec. T'es bidon. C'est pour ça que, d'ailleurs, t'as jamais percé dans ce milieu-là. T'es un bidon, frère. T'es aussi, soi-disant, pasteur. Mais même pasteur, t'es un mauvais pasteur. Hein, tu racontes que des conneries dans ta vidéo où tu parles de religion. T'es un bolos, mec. T'es un vrai bolos. Voilà. T'es un vrai bolos. Tu sais quoi, je suis bien content que tu sois parti parce que ça fait un parasite de moins dans notre club. Là, Messi va se barrer, les Léo sexuels vont se barrer et aussi quelques parasites, quelques cancres là, quelques cafards comme toi se barrent. Voilà. Tant mieux. Je te le dis franchement. Tant mieux. Voilà. Et j'espère que ta chaîne, elle marchera pas, hein. Et de toute façon, elle marchera pas parce que les vrais Marseillais vont reconnaître tout de suite que t'es un bouffon, tu vois. Et donc, voilà. Donc, j'appelle au boycott de ce mec et j'appelle à que ce mec, que sa chaîne ne marche pas, sa chaîne, sur l'Olympique de Marseille ne marche pas parce que tu n'es pas un vrai supporter marseillais, tu es une merde. C'est tout ce que tu es. Tu devrais mettre youtubeur de merde, va débriefer. C'est ça, c'est le nom de ta chaîne devrait être ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, je vais arrêter de parler de ce baltringue parce que de toute façon, ça ne sert à rien. J'ai déjà parlé 5 minutes de lui, c'est déjà trop. Voilà. Pourquoi cette arme, Tony? Para qué? Oh, pas rien. Je suis... Comment vous dites? Paranoïaque. Maintenant, on va passer à un autre, au sujet qui a à voir avec le Paris Saint-Germain. Et je vais commencer par... Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour parler du Paris Saint-Germain, enfin. Et on va parler de beaucoup de choses. Alors, on va parler de Julian Nagelsmann, on va parler de Asensio et on va parler de Manuel Ugarte. Rogue, Mac, hein. Bon, j'ai fait l'italien, bon, c'est pas grave. On va parler espagnol, hein, comme... Hey, que quieres que te diga, hombre? Bon, bref. On va commencer par l'Allemand qui est de retour. Hein? L'Allemand, la bière, est de retour en France. Ou peut-être pas. On verra si ça va marcher. Hein? Et Tourelle, il doit bien être pas content parce que il va dire encore un compatriote à moi qui va se casser les dents au Paris Saint-Germain. Bah oui. C'est obligé. Alors moi, j'ai rien contre
Julian Nagelsmann. Hein. Mais je trouve que c'est pas vraiment le profil comme entraîneur pour aller entraîner le Paris Saint-Germain. Et en plus, soi-disant, on entend parler que en duo avec Thierry Henry. Non, mais on se fout de la gueule de qui, frère? Déjà, les deux vont pas s'entendre. Ça, c'est clair et net. Thierry Henry, il a son petit caractère. Et Nagelsmann, apparemment, il a aussi son petit caractère. Donc, les deux, ça va faire des étincelles. Non, à un moment ou à un autre, les Qataris, il faut arrêter les conneries, quoi. Hein, moi, je crois pas du tout au duo Nagelsmann-Thierry Henry. Je n'y crois pas une seconde. Enfin, je n'y crois pas une seconde. Si jamais ça se fait, que ça marche. Déjà. Après, on va dire juste, Nagelsmann tout seul. Si jamais il vient tout seul. Alors Nagelsmann tout seul, il a entraîné Hoffenheim, il a entraîné le Leipzig et il a entraîné évidemment le Bayern de Munich. Entraîneur très jeune, 35 ans, pas beaucoup d'expérience. Voilà, bon, il a été en Ligue des Champions avec le Bayern tout ça, mais bon, on peut pas dire que c'est un entraîneur qui a énormément d'expérience en Ligue des Champions. C'est un très jeune entraîneur, il est aussi vieux que Müller, tu vois. Donc comment tu veux qu'il se fasse respecter dans un vestiaire? Moi je peux pas, moi j'y crois pas, franchement. Alors je dis pas qu'il est pourri, tu vois. Ça reste quand même un bon entraîneur, tu vois. Il a quand même fait des bons trucs au Bayern, tu vois. Mais pour moi, ce n'est pas le profil idéal pour entraîner le Paris Saint-Germain. Voilà. Je répète, pour moi, le profil idéal, c'est à Mourinho. Voilà. À la rigueur, même à Zidane, même si je suis pas trop chaud pour Zidane, moi personnellement, parce que c'est encore un Marseillais. Ou alors, si vous voulez vraiment prendre un Allemand, prenez le meilleur. Jürgen Klopp. Voilà. Voilà. S'il faut prendre un Allemand, prenez le meilleur. Voilà. Non, mais Nagelsmann, moi, je dis, bon, après, s'il vient, il faudra l'accepter. Peut-être qu'il va faire du sale. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai du mal à le croire qu'il fasse avancer le projet du Paris Saint-Germain et qu'il nous fasse mentir, qu'il nous fasse des choses intéressantes au Paris Saint-Germain. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seconde. Et encore moins le duo Nagelsmann Thierry Henry. Bon, franchement, j'y crois pas du tout une seconde. Les mecs déjà ils se connaissent pas beaucoup en vrai. Ils se sont croisés je crois une fois, donc ils se connaissent pas trop. Donc ils connaissent pas trop le caractère d'un et de l'autre. Moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, si ça se fait, à un moment ou à l'autre, ça va être le choc des Titans. Ils vont se prendre la tête pour un truc ou un autre et ça va partir en cacahuète. Donc, je pense que cette mauvaise idée de faire un coach numéro un et un adjoint au coach, moi, je pense que ça va pas marcher. Voilà. Je pense que ça va pas marcher. Après, je peux me tromper, mais je vois ça comme un fiasco, encore une fois. Voilà. On va encore se passer une année de merde. Voilà. Donc, on verra bien. Alors, de toute façon, tous les jours, il y a un nouveau coach qui est envoyé au Paris Saint-Germain. On verra bien ce que ça donne, mais moi j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas. Après, s'il vient, comme je dis, je serai obligé de l'accepter. Et voilà quoi. Enfin bon, bref, moi je te dis franchement, je n'y crois pas à cet entraîneur. Bon, maintenant parlons de Marco Asensio, joueur donc espagnol, qui a 27 ans, si ma mémoire est bonne. Alors oui, il a joué au Real de Madrid. C'est un très bon joueur. Très bon milieu. Milieu, si je ne me trompe pas, offensif. Mais moi, ce qui me chagrine dans cette histoire avec Asensio, c'est que le Real Madrid ne le garde pas. Alors, on m'a dit que c'était une histoire d'argent. C'est-à-dire que lui voulait 10 millions par saison et le Real Madrid lui en proposait que 5. Et que le PSG lui en proposait beaucoup plus, donc c'est pour ça qu'il a choisi le Paris Saint-Germain. C'est là que tu vois qu'en fait que les joueurs, en fait, il y a qu'un truc qui les intéresse, c'est même plus l'amour, ça n'existe plus l'amour du maillot pour les joueurs. C'est juste l'argent qui s'intéresse les joueurs, n'importe quel joueur en fait, tu vois. Et moi j'ai du mal avec ça quoi. J'ai vraiment du mal avec ça parce que c'est encore un joueur qui vient au Paris Saint-Germain par défaut, c'est-à-dire que il aurait préféré rester au Real Madrid, mais comme le Real Madrid ne lui propose pas ce qu'il veut, il va se barrer ailleurs. Donc, par défaut, il va venir à Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain lui donne plus. Et d'ailleurs, le Paris Saint-Germain continue à commettre les mêmes erreurs, c'est-à-dire à surpayer les joueurs. Donc, ça va être pareil. Alors, Asensio, oui, c'est un bon joueur. Tout le monde, ceux qui connaissent minimement le foot, savent que c'est un bon joueur. Mais le problème, c'est que ils sont bons quand ils sont dans d'autres clubs. Mais dès qu'ils arrivent à Paris, bah, ils deviennent moisis, pourris, voilà, achetés quoi, achetés aux ordures. Alors, est-ce que ça va être pareil avec lui? On va voir. Mais c'est vrai que dernièrement, tous les joueurs qui arrivent, qui sont extrêmement bons dans les autres clubs, dès qu'ils arrivent à Paris, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, le Paris Saint-Germain, c'est un cimetière à joueurs. Et je commence à le croire.
C'est un cimetière, c'est le cimetière des éléphants, frère. Voilà, c'est le cimetière des éléphants. Ouais, et voilà, et j'ai peur qu'avec Marco Asensio, ça soit exactement pareil. Alors, s'il vient, on va voir. J'espère qu'il sera aussi bon qu'il était au Real de Madrid. Mais voilà, on va attendre pour voir, parce que voilà, on s'est fait tellement avoir toutes les années, toutes ces dernières années, que maintenant, parler d'un joueur en sachant qu'il est bon et puis qu'il va faire du sale à Paris, ben, il n'y a plus rien de sûr. Il n'y a plus rien de sûr. Tu vois? Donc, on va attendre pour voir et on verra ce qu'il donne. J'espère qu'il sera aussi bon, voire meilleur encore à Paris qu'il ne l'a été au Real de Madrid. Voilà. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est une bonne pioche parce que, ah, en plus, il vient libre, on ne l'achète pas, tu vois. Donc, c'est une bonne pioche. Dans ce sens-là, c'est une bonne pioche. Voilà. Donc, après, on verra combien ils vont le payer et ce qu'il va donner après en Ligue 1 et avec Paris et en Ligue des Champions. Maintenant, on va parler d'un autre joueur qui joue au Sporting de Lisbonne, hein, qui s'appelle. Ah merde, j'ai oublié son nom. Manuel Ugarte, uruguayen. Rappelez-vous, hein, Uruguay, Cavani, machin, tout ça. Bon. S'il est aussi bon que Cavani, même, il joue pas au même poste, mais c'est aussi un milieu. S'il est aussi bon que Cavani à son poste, je prends. Alors moi, je vais vous dire franchement, je connais pas trop ce joueur. Je me suis un petit peu renseigné, hein, comme quand je connais pas le joueur, je me renseigne. Je vais pas jouer les mecs qui connaissent tous les joueurs, et puis après tu racontes que de la merde. Donc ne, je connais pas trop ce joueur, même s'il joue dans le championnat portugais, je ne regarde pratiquement jamais les matchs du Sporting Lisbonne. Moi, je regarde surtout les matchs quand j'ai le temps. Je regarde surtout les matchs du Benfica Lisbonne. Mais je me suis renseigné. Sur internet, et aussi j'ai parlé avec des supporters du Sporting pour demander ce qu'ils en pensaient de ce joueur, et ils m'ont tous dit qu'il est, d'autres ils m'ont dit qu'il est bon, et d'autres ils m'ont dit qu'il est très bon à son poste. Voilà, mais c'est pareil, c'est comme Asensio, très bon au Sporting, il vient à Paris, il devient une merde. Voilà, alors apparemment il serait payé, je crois que c'est 5 millions par saison. Bon, apparemment il serait vraiment en partance pour Paris. Pareil, je vais pas parler beaucoup de ce genre parce que, comme je vous dis, je le connais pas trop. Je vais attendre de voir ce qu'il vaut vraiment si jamais il vient à Paris. Mais voilà, on se retrouve quand même, si jamais il vient lui à son tout ça, on se retrouve déjà pas mal avec pas mal de très bons milieux. Voilà. Plus si jamais il y a Bernardo Silva qui vient, là ça sera le top au milieu. Verratti qui reste évidemment. Là on aura du choix au milieu. Et Danilo, faut pas oublier Danilo parce que Danilo à la base c'est un milieu. Voilà, même si peut-être qu'il sera utilisé comme défenseur central cette année, je sais pas. Mais en tout cas, ça sera un bon milieu, on aura du bon, on aura, tu vois, voilà. Je pense que là, les Qataris, sur ce point-là, ils réfléchissent mieux que les autres années. Et ils commencent le mercato très tôt. Voilà. Ils font pas les mêmes erreurs qu'avant. Enfin, ces erreurs-là, en tout cas. Donc, on va voir pour attendre pour Ugarte. Mais pareil, moi, je te dis, les joueurs arrivent. Bon dans leur club ancien, dans leur ancien club, et après ils arrivent à Paris et ils sont pourris de chez pourris. Mais bon, on verra bien. En tout cas, j'espère qu'il va s'adapter, parce qu'il faut s'adapter à la Ligue 1. C'est pas pareil, hein, la Ligue 1, le championnat portugais pour Ugarte et le championnat espagnol pour Asensio, c'est pas pareil. La Ligue 1, ça, c'est spécial. Tu vois, voilà. La Ligue 1, c'est massacre à tronçonneuse, hein. Tu perds des tibias là-dedans, hein, si vous voulez ce que je veux dire. Mais bon, il n'y a pas que ça. Mais je veux dire, par là, c'est, il faut s'adapter, quoi. Voilà. Alors, j'espère qu'ils s'adapteront très vite. Comme Danilo s'est adapté très très vite. Il a parlé français très très très, très vite et il s'est adapté sur le terrain très très vite. Donc, j'espère que ça sera pareil pour ces deux joueurs-là. On va attendre le reste du mercato. Voilà. Moi, j'ai donné mon avis sur Nagelsmann, sur Ugarte, le peu que je sais de ce joueur, et sur Asensio. Pareil, que j'ai dit que c'était une bonne pioche. Donc, on verra bien si ça va être une bonne pioche ou pas. Donnez-moi vos avis en commentaire en dessous de la vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Avec les vrais supporters, évidemment. Allez, boya!